Comment prendre soin de ses photos? À l'époque de Photoshop et des manipulations diverses sur les photos par le biais d'Internet, comment nettoyer de vieux clichés auxquels on tient? Des solutions pour nettoyer et conserver en bon état vos photos. Manipuler une photo de collection. Toute manipulation sur une photo de collection est du ressort d'un restaurateur. Ne la prenez dans les mains que si vous avez pris la précaution d'enfiler des gants de coton blanc. Si vous n'avez pas de gants, saisissez la photo avec un linge blanc propre. Jamais avec vos doigts. Saisissez épreuves et négatifs par les rebords. Rangez et prendre soin des photos. Ne rangez pas les photos dans des pièces humides, ni dans des endroits trop éclairés par les rayons du soleil. Les photos se conservent mieux dans le noir. Les photos que vous aimez particulièrement doivent être protégées, dans les cartons, entre deux feuilles de papier ou sous enveloppe. Au dos des photos, n'écrivez qu'avec des crayons noirs pas trop bien taillés. Les stylos et les feutres sont à proscrire, ils risquent de les tacher. Pour des photos de famille ou de souvenirs, nettoyez vos photos à l'aide d'un chiffon microfibre très propre. Effacez les traces de doigts sur une photo. Nettoyez les traces de doigts sur une photo en vaporisant dessus de la laque pour cheveux puis en polissant la photo avec un chiffon microfibre. Bien conserver ces photos. Si vous voulez que vos photos se conservent bien, ne les laissez pas s'amasser en vrac, ni en tas dans un tiroir ni dans des boîtes. Rangez les photos verticalement. Ne collez pas non plus les photos sous des plastiques dans des albums. Les coins sont préférables. Les adhésifs contiennent des agents chimiques qui peuvent leur causer des dégâts à vos photos. Restaurez une photo. Les tirages anciens peuvent retrouver une nouvelle jeunesse grâce à la numérisation. En utilisant un scanner ou une imprimante tout en un, vous pourrez sauvegarder vos photos et les retoucher avec l'aide de logiciels. Et même si les clichés, diapos, négatifs sont très abîmés, ils pourront retrouver leur aspect d'origine grâce à l'une des nombreuses sociétés spécialisées en restauration de photos toujours sur Internet.